Gloire au Seigneur. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Si nous sommes dans la joie, manifestons cela. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est une bonne chose que d'être dans la maison de Dieu, bien-aimé, car c'est là que nous trouvons notre destinée, être préparé. Alléluia. Dans toutes les maisons, nous pouvons avoir des promesses, pour avoir des choses, mais des choses qui vont passer. Mais ce que nous avons dans la présence de Dieu, c'est des choses éternelles. Alléluia. Des choses qui ne passeront jamais. Amen. Oui, gloire au Seigneur. Nous saluons le peuple de Dieu qui est présent ce matin. Nous saluons aussi ceux qui nous suivent par travers les médias. Que Dieu vous bénisse. Nous savons que vous êtes nombreux à suivre les programmes de la parole éternelle Kasumbalesa. En fait, ce n'est pas la parole éternelle Kasumbalesa qui se présente à vous, mais nous nous présentons Jésus-Christ de Nazareth, le seul qui sauve, qui guérit, qui bénit et qui libère. Amen. Oui, bien-aimés, aujourd'hui, nous voulons clôturer sur la sagesse du travail. Nous sommes toujours en train de parler de la sagesse. Nous voulons parler de quelques pièges, de quelques ennemis du travail, ceux qui font que notre travail ne produise pas. Comme je l'ai dit, nous travaillons beaucoup, mais la production, les résultats est vraiment insignifiant. Or, la Bible nous dit, nous l'avons lu le dimanche passé, Proverbe 14, 23, « Tout travail procure l'abondance. » Tout travail. Est-ce que tu peux lire avec moi? Proverbe 14, 23. C'est une déclaration forte de la parole de Dieu. Alors moi, j'ai posé la question, pourquoi notre travail ne produit pas l'abondance? Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. C'est une déclaration qui n'appelle même pas une discussion, qui n'appelle même pas un débat. Dieu coupe, il dit tout travail procure l'abondance. Et lorsque vous lisez dans Deutéronome 28, le Seigneur dit, je bénirai l'ouvrage de tes mains, je te bénirai dans le champ. Quand on parle dans le champ, on voit le travail. Dieu dit, je bénirai l'ouvrage de tes mains. Dieu dit que tout travail doit procurer l'abondance. Mais comment se fait-il que beaucoup travaillent et ils n'arrivent pas à l'abondance? C'est parce qu'ils travaillent mal, je l'ai dit à l'introduction. Ils ne travaillent pas avec sagesse comme Ecclésiaste 2, 21 nous dit. Soyez cet homme qui a travaillé avec sagesse, avec science et avec succès. Quand on travaille avec sagesse, il y a le succès. Et le succès aussi amène l'abondance. Alléluia. On ne peut pas avoir le succès sans connaître l'abondance. Parce que quand on a le succès, ça veut dire qu'on attire plusieurs personnes vers soi. Ça dit que les gens vous prennent comme un modèle, comme une référence, quelqu'un qu'on doit suivre. Et la rémunération doit venir après. Qu'est-ce qui fait que nous travaillons, mais que nous ne voyons pas l'abondance dans nos vies? Parmi les raisons, bien aimées, nous l'avons épinglé l'autre fois, c'est que nous travaillons mal. Nous travaillons seulement pour le salaire, par exemple, et nous ne travaillons pas pour l'épanouissement. Ça, c'est une erreur grave. Les gens qui travaillent seulement pour un salaire, la Bible les appelle des mercenaires. Donc, beaucoup d'entre nous sommes des mercenaires. Comme je l'ai dit, nous sommes dans un domaine que nous ne connaissons pas, que nous n'aimons pas. Mais parce qu'il y a un salaire, tu n'es pas chauffeur, mais tu t'improvises dans un trac. Parce que ton oncle, ton père, ton frère t'a mis là-dedans. Mais le jour où il y aura accident, on connaîtra, bien-aimé, que tu n'étais pas à ta place. Oui, bien-aimé, nous sommes appelés à travailler pour l'abondance. Jamais Dieu n'a fait travailler quelqu'un pour rien. Plusieurs versets de la Bible nous montrent que l'ouvrier mérite son salaire. Dieu a toujours récompensé les travailleurs. S'il n'y a pas de récompense, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est notre faute quelque part. Nous travaillons. Est-ce que nous travaillons selon les principes de Dieu? Est-ce que nous travaillons avec sagesse? Qui dit travailler avec sagesse dit aussi travailler dans la crainte de Dieu. Parce que n'oubliez pas, la sagesse est aussi la crainte de l'Éternel. On peut gagner de l'argent par corruption aujourd'hui. On devient riche, mais après un temps, on va perdre tout ce qu'on a gagné. Bien aimé, tout ce qu'on amasse dans les mauvais chemins finira par partir. C'est la Bible qui le dit. La Bible dit la richesse du méchant prend de l'aile. Ça pousse des ailes.
ça va partir. Même si vous êtes milliardaire aujourd'hui, si votre milliard est basé sur le sang, l'occultisme, vous avez sacrifié les enfants, sur la corruption, sur l'escroquerie, sur le mensonge, sur la prostitution, je vous confirme sans prophétiser, vous allez perdre cette richesse. Peut-être que vous allez mourir, vous n'allez pas voir la perte, mais vos enfants vont souffrir. Voilà pourquoi vous constatez plusieurs hommes riches à leur mort, la famille souffre. Pourquoi? Pourquoi? Ce n'est pas normal. Quand papa meurt, c'est les voitures qu'on vend, c'est les parcelles qu'on vend. Et les mêmes enfants qui allaient en véhicule à l'école, aujourd'hui ne peuvent même pas se payer un 500 francs de bus. Ce n'est pas normal. Or, lorsque Dieu bénit, bien-aimé, la richesse, ce n'est pas seulement pour vous les parents. La richesse doit descendre jusqu'à vos enfants, jusqu'aux enfants de vos enfants. La richesse est une bénédiction. La richesse est un héritage. Un héritage. Lorsque cette richesse est faite selon la volonté de Dieu. Alors, j'aimerais épingler un ou deux points ce matin et puis nous allons prendre du temps pour prier. Pendant que j'étais en prière, le Seigneur m'a dit, prends beaucoup de temps pour prier pour les gens qui travaillent et pour les gens qui cherchent du travail. Pour les gens qui travaillent, il faut prier afin qu'ils méritent leur bénédiction, leur rémunération. J'aimerais dire aussi, nous avons un problème dans notre pays où les gens travaillent, mais les employeurs leur payent mal. Nous devons changer ces choses par la prière. Je crois que lorsque nous étions dans les séminaires avec le pasteur Caleb, il a dit que nous pouvons nous lever et changer les choses. Faire que ces gens qui prennent notre cuivre, notre cobalt par fraude et qui nous payent mal, lorsqu'ils traversent la frontière, le cobalt se transforme en poudre, en poussière. Ça perd la teneur. Ah oui, bien-aimé, nous pouvons faire cette prière-là. Mais nous pouvons faire la prière de dire aussi, pendant qu'ils exploitent chez nous, que nos autorités leur imposent un barème salarial qui bénit les travailleurs congolais. Parce qu'il y en a qui travaillent, bien-aimés. Tout le monde n'est pas paresseux au Congo. Je vous ai dit, les Congolais ne sont pas des paresseux. Mes frères, vous êtes des travailleurs. Des fois, nous travaillons mal ou des fois, nous sommes mal payés. Vous êtes d'accord avec moi? Et nous allons prier pour changer ces choses dans la prière. Moi, je crois, bien-aimés, Dieu peut entendre la prière de l'Église. Il va changer les choses. Ne dis pas, non, le pays est déjà vendu. Aucun pays n'est vendu. Ce pays n'est pas vendu. Notre pays nous appartient au nom de Jésus. Surtout nous qui craignons le Seigneur. La Bible dit, priez pour la ville dans laquelle je vous ai amené parce que votre bonheur en dépend. Notre bonheur en tant que chrétien dépend du Congo. On doit manger les fruits du coltan du Congo. Alléluia. Mais nous devons travailler. Nous devons bannir la paresse. Alors j'aimerais dire la première chose qui fait que beaucoup échouent dans leur travail ou beaucoup n'expérimentent pas l'abondance dans leur travail, c'est l'impréparation. L'impréparation. Je commence par dire cette phrase. Ne pas se préparer, c'est se préparer à échouer. Je répète. Ne pas se préparer, c'est se préparer à échouer. Bien-aimé, la vie n'est pas une génération spontanée. Regardez un enfant. Un enfant qui naît, il ne grandit pas les mêmes jours. Il doit être nourri, il doit être protégé, et ça prend du temps pour qu'il devienne un adulte, vrai ou faux. Donc même la vie nous enseigne, la vie c'est un travail. Il faut travailler même pour la croissance. Le succès n'est pas une génération spontanée. Je vous ai dit, beaucoup de musiciens congolais ont endormi les peuples avec la notion de chance et l'okopamba. Oui, et cet esprit a commencé par la musique et elle a atteint même nos mœurs. On ne travaille plus parce qu'on sait que le jour où mon oncle sera président, j'aurai. Frère, combien déjà deviendront président dans ce pays? Il n'y a qu'une seule chaise. Alléluia. Il y en a qui espèrent qu'ils deviendront grands comme ça, comme par enchantement. Non, bien-aimés, les grands d'aujourd'hui sont les travailleurs d'hier. Les gens qui ont mérité aujourd'hui, ils ont payé les prières. Je lisais un jour, j'étais quelque part,
J'ai vu un tableau qui m'a beaucoup enseigné. Dans ce tableau-là, il y avait un éléphant qui était en train d'arracher un arbre avec sa trompe. Et on écrit ceci, si tu veux vivre comme un roi, tu dois travailler comme un esclave. Ça m'a beaucoup enseigné. Si tu veux vivre comme un roi, tu dois travailler comme un esclave. Ça dit, tu ne te donnes pas de temps à la distraction. À la distraction. Travaillez, bien-aimé. Travailler nous demande beaucoup de choses, beaucoup d'efforts à faire. Je disais, le manque de préparation est l'une des causes des échecs. Quelqu'un dit quelque part, j'ajoute encore cette phrase, le succès, c'est lorsque l'opportunité rencontre la préparation. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous cherchons les opportunités. Ah, je cherche le travail à KCC. Je cherche le travail à Orange. Je cherche le travail à la douane. Je cherche le travail à la présidence. Je cherche le travail. Ça, c'est l'opportunité. Mais est-ce que tu t'es préparé à remplir ce travail-là? Est-ce que tu as la préparation, c'est avoir, acquérir les qualifications pour le travail qu'on cherche? Tu veux devenir douanier. Est-ce que tu connais ce que les douaniers font? Pensez que c'est facile, on est douanier, les douaniers ont l'argent. On va seulement se mettre là, on attrape des marchandises et on a l'argent. Frère, ils vont à l'école pour ça. Ils étudient cela. Et puis j'aimerais vous dire, tous les douaniers ne sont pas des escrocs. Hein. Il y a des douaniers honnêtes que Dieu bénit aussi. Il y a des douaniers sérieux qui gagnent leur argent à la sueur de leur front. Ah non, non, c'est facile. C'est trop facile de stigmatiser les gens. Mais toi qui n'es pas voleur, qu'est-ce que tu produis? Tu sais, l'homme noir a la facilité d'accuser des voleurs ou des sorciers ceux qui réussissent. L'homme noir, ceux qui les dépassent, il les met toujours sur le compte du surnaturel. Ah, pourquoi moi je n'arrive pas à réussir? Lui, il réussit pourquoi? Ah, n'a pas, je crois, n'a Siri, moi, non, Siri, y'a que Nikutumika. Pendant que toi, tu dors la nuit, lui, il prépare le cours de demain. Pendant que toi, tu rêves, lui, il est en train de calculer comment il va travailler demain. Il se lève à 4h du matin, mais toi, tu te lèves à 10h tous les jours. Comment veux-tu avoir le succès? Et tu te compares avec celui qui se lève à 4h du matin? Non, il y a un Dieu qui est juste au ciel. Non, non, il y a un Dieu qui est juste, frère. Pendant que tu es assis là, tu es de discuter politique, IDPS, FCC, oh, Union Sacrée, tu passes 4h de temps en train de discuter politique et tu n'en bénéficies même pas. Lui, pendant les 4h de temps, il court à gauche, il court à droite. Regardez-le en train de transporter tout un congélateur sur sa tête et faire traverser en Zambie pendant que toi, tu parles de Mazembe ou pour. Et le jour où il devient riche, ou mouton toi lianza tout boukata kwa libamba dawa, non, non. Achikwende kwa musumari. Alléluia. Alléluia. Baraka yake, inatokea pa musumari ya Yesu Christ. Il est musumari Yesu anapata. Déjà, il a mpatia. Franga, il a travaillé. C'est facile d'accuser les gens. Moi, depuis un temps, je n'aime plus critiquer les gens qui réussissent. Je me dis, je dois réussir. Critiquer ne changera rien. Tu vas te mettre à critiquer. Regardez, je vois ça surtout chez nous, le Congolais. Quand quelqu'un est piéton, il critique celui qui a la voiture. Lorsqu'il achète la voiture, il commence à se fâcher vers les piétons. On va où? Hein? Regardez, roulez seulement un peu quand vous êtes dans les véhicules et qu'il y a une flaque d'eau. Vous verrez, les piétons vous aident à mouyamouangi à maï, à chaque koukouchirikia. Et puis, les chemins par rapport à maï. Moi, je ne comprends pas cette mentalité. Est-ce que vous n'avez jamais remarqué ça? J'ai dit, mais est-ce que Nimoubaya, parce que lui n'a pas ta motoka. Un jour, j'ai dit à notre frère, il est qui s'y nous connaît. Chukuta ou sa motoka, ou t'as changé. Ah, ton kakoulé. Je l'ai béni, mais il a refusé. Alléluia. Non, bien-aimés, ne soyons pas aigris. Être aigri, c'est quoi? Ce n'est pas supporter la bénédiction des autres. L'aigreur nous empêche de voir nos propres qualités.
on peut dire, moi aussi, je peux faire comme lui. Et approche-toi de celui qui a réussi. Quel est ton secret? C'est la simple chose, pose la question, comment il a réussi. Il te dira qu'il s'était préparé. Bien-aimé, la préparation est la clé du succès. Les opportunités, c'est Dieu qui les crée. Ecclésiaste 9, le verset 11, la Bible dit, la victoire n'est pas au fort, le pain n'est pas aux savants, la course n'est pas aux agiles, mais tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Ecclésiaste 9, 11. On dit, tous ces gens-là qui ont réussi dans la guerre, dans la course, ceux qui ont réussi à gagner leur pain, ce n'est pas parce qu'ils sont agiles, ce n'est pas d'abord parce qu'ils sont forts, ce n'est pas parce qu'ils sont savants, mais ils ont obtenu des circonstances et des temps favorables. Et je vous pose une question, Église. Qui est le maître des temps et des circonstances? Et Dieu donne le temps et les circonstances à qui? À tout le monde. Donc, l'opportunité est déjà là. Ne cherche plus l'opportunité, mais est-ce que tu es prêt à bénéficier de l'opportunité? Combien n'ont pas eu 2000 dollars dans leurs mains? Ils ne savaient même pas quoi faire avec 2000 dollars. Donner à quelqu'un d'autre 500 dollars, il va devenir un homme riche. 500 seulement. Il y a déjà avec 500 dollars, il fait tourner sa tête. Dans 6 mois, vous ne le reconnaissez plus. Mais il y en a avec 10 000 dollars, dans 3 mois, il n'a plus rien. 10 000. Le problème, ce n'est pas l'opportunité. J'insiste. Le Seigneur m'a dit d'insister parce que beaucoup de gens parlent, même dans les affaires, j'attends le capital, j'attends le capital. Le capital, c'est l'opportunité. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ton capital? Je vais vendre. Tu vas vendre quoi? Est-ce que tu as étudié le marché de ces produits-là? Ne pense pas que parce que l'autre a réussi dans l'habillement, que toi tu réussiras dans l'habillement. Peut-être lui, les gens qui lui achètent, ce sont ses amis, surtout au Congo, ni bourrafique. Tu n'as pas tiré à Babine, tu ni bourrafique. Il y a certains commerces qu'il ne faut pas faire par imitation. On a mis à Dubaï. On a mis à Dubaï. On a mis à boutique. On a mis à Dubaï. Yeah, parce qu'après 9 mois, 10 mois, Mangou, il n'a pas ta, ça, il y a l'humidité. Hein? Et puis quand vous avez des habits qu'un homme ne porte pas, ça se détériore. Parce que c'est le corps de l'homme qui donne aussi la force aux habits. Est-ce que vous le savez? Même une maison, si elle n'est pas habitée pendant un temps, il y a des fissures qui commencent. La respiration de l'homme a un pouvoir même sur les matériaux de construction. Donc l'homme est plus important que la maison. Le corps est plus important que les vêtements. Alléluia. La préparation. Est-ce que tu te prépares à réussir? Quand tu étudies, est-ce que tu es sérieux pendant que tu étudies? Parce que la préparation commence par là. L'instruction. Combien sèchent les cours? Combien ne font pas leurs devoirs? Et se disent, non, ce n'est pas grave, je réussirai. De toute façon, je vais faire le circuit. Le prof va faire passer la liste des syllabus. Je vais acheter les syllabus du prof et je réussirai. Frère, tu réussiras l'examen, mais tu échoueras dans la vie. Nous n'étudions pas seulement pour réussir un examen, mais nous étudions pour venir résoudre les problèmes de notre société. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tu n'étudies pas seulement pour avoir un docteur en économie, mais que le doctorat en économie fasse sortir le Congo de la pauvreté. Voilà pourquoi le cardinal Malula disait qu'on a beaucoup de foi intellectuelle au Congo. Lui, pour le cardinal Malula, je le cite, parce que c'est un intellectuel qui a vécu dans notre pays, il a dit, le véritable intellectuel, ce n'est pas celui qui fait l'apanage ou l'étalage de ses diplômes, mais c'est lui qui, par ses diplômes, résout les problèmes de sa société. C'est ça l'intellectuel. Depuis que tu as eu ton diplôme de licence, tu as résolu quel problème dans ton quartier, dans ton église, dans ta famille? Parce que, bien aimé, on a un diplôme, on appelle ça intellectuel. C'est-à-dire qu'on a une dimension supérieure pour comprendre le cause et chercher des solutions. L'impréparation a tué beaucoup chez nous. Au Congo,
on n'est pas préparé. On ne se prépare pas, on espère. Il y en a même qui étudient sans ambition. Les amis vont en médecine parce qu'ils ne veulent pas perdre les amitiés. Ils vont aussi en médecine. Est-ce que tu as la tête de médecin? Hein? La médecine n'est pas donnée à tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde est médecin. C'est grave, frère. Il y a des domaines où il ne faut même pas jouer. Tu vas tuer les gens. Heureusement, dans notre pays, on n'arrête pas beaucoup. Mais dans des pays sérieux, il y a certaines morts. Lorsqu'on fait l'autopsie, on réalise que c'est la faute du médecin. D'abord, on les retire de l'ordre des médecins et il est arrêté. Il est arrêté. Bon, chez nous, ça passe. Les médecins peuvent commettre une erreur. Quelqu'un qui est diabétique, on ne vérifie même pas son sang. Directement, on lui met le sérum glucosé. Dans le glucosé, il y a le sucre. Et quelques temps, les médecins n'ont pas fait leur travail. Arrêtons de cacher tout derrière la sorcellerie. Oh non, pose la question, un bon médecin n'a pas d'abord le temps de vérifier si la personne est diabétique avant même de choisir le traitement. Mais est-ce qu'on en a dans nos hôpitaux, dans nos dispensaires ici? Anini, d'abord lui il cherche l'argent. Oumouze Toumaï, lui-même il est médecin, lui-même il a une pharmacie. Normalement selon la déontologie ce n'est pas permis. Parce que son jugement sera faux. Il sera plus tiré vers le lucre que plus vers le soin des gens. Mais au Congo c'est bon. Un médecin a sa pharmacie, met sa pharmacie en face de l'hôpital. Et puis il faut badawaya que mouze, c'est vrai ou faux? Non, peuple de Dieu, nous devons prier. Ces choses doivent changer dans notre pays. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas préparés dans le rôle qu'ils jouent aujourd'hui. Et l'impréparation conduit à l'échec. L'impréparation. Quand tu veux aborder une filiale, tu veux commencer quelque chose, prends le temps de poser des questions sur la chose. Comment ça se passe? Ça demande quoi? Quelles sont les aptitudes qu'il faut avoir pour entrer dans tel domaine? Je vais même dire, même le commerce. Le commerce n'est pas donné à tout le monde. Hein? Non. Le commerce n'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde vend, tout le monde achète. Non. C'est vrai, s'il y a beaucoup de gens qui font le commerce aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois. L'État n'arrive plus à donner du travail à sa population. Ça, c'est vrai. Mais tout le monde n'est pas commerçant. Nous devons bien aimer nous préparer si nous voulons réussir. Ne vous hasardez pas sans préparation. Sinon, vous allez accuser Dieu, que Dieu est injuste. Il a béni les Blancs. C'est ce que nous disons souvent. Dieu a béni les Européens. Il a béni les Américains. Mais ne savez-vous pas que ces Européens, ces Américains, ils ont construit leur pays avec les richesses qui viennent de nos pays? S'ils avaient tout, pourquoi ils viennent ici? Nous ne sommes pas préparés à gérer nos propres richesses. Nous ne sommes pas préparés à ça. Alors que je me rappelle, lorsque je lisais mon cours de sociologie africaine à l'époque, je crois que c'est avec le père Temples, si ma mémoire est bonne. Il dit déjà que les Africains savaient déjà mélanger le bronze avec le cuivre pour trouver l'étain ou quelque chose comme ça. On avait déjà une certaine métallurgie, je ne sais pas. Il y avait deux métaux qu'on mélangeait déjà à l'époque. Nos grands-parents savaient déjà les fer. Je pense que c'était les fer avec l'étain. En tout cas, ils mélangeaient quelque chose, j'ai oublié un peu. On avait déjà un savoir. On avait un savoir. Et on utilisait les croisettes en cuivre comme monnaie, vrai ou faux? On n'a pas entendu l'homme blanc pour commencer à avoir l'argent. L'homme noir avait sa monnaie. Mais pourquoi nous sommes dépendants de leur système? Et ils ont développé. Nous, on a cru que c'était tellement facile parce qu'on ramassait seulement derrière la maison. On a chimboula tout qui l'a cuivre, il n'a tout. La paresse, nous le verrons, ça sera un deuxième point, ce qui empêche les gens de réussir. Mais j'aimerais d'abord parler de l'impréparation. Je vais vous donner deux exemples dans la Bible. Des exemples de gens. L'un a été préparé à son rôle et il a réussi. Et l'autre
n'a pas été préparé et il a échoué. Il n'y a pas de problème de magie là-bas. Il n'y a pas un problème de démon. Non, il n'y a qu'un problème de sérieux. Je vous donne quelques textes de la parole de Dieu. Nous allons parler de Saül et David, bien sûr. Les deux premiers rois d'Israël. Le premier, Saül, a été établi roi sans avoir été préparé. Et vous verrez la suite, vous connaissez, il a mal fini. La royauté lui a été arrachée. Et c'est là que vous trouvez pour Saül dans 1 Samuel 8, le verset 7 et le verset 18. 1 Samuel 8, 7 et 18. 1 Samuel 10, le verset 1er. Nous allons lire ce texte, 1 Samuel 8. 7, et puis nous allons aller au verset 18. Bien-aimés, ne vous hasardez pas dans un domaine où vous n'avez pas été préparé. Vous aurez honte. Lorsque l'échec viendra, vous ne saurez même pas vous lever encore la tête pour parler. Vous n'êtes pas musicien, ne vous improvisez pas musicien en plein culte. Est-ce que je parle à quelqu'un ? 1 Samuel 8, 7 et 18. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Et le verset 18e, la Bible dit ceci. Et alors vous crierez contre votre roi, que vous vous êtes choisi. Mais l'Éternel ne vous exaucera point. Nous voyons dans le choix de Saül, Dieu n'a pas été content. Saül, j'aimerais dire en swahili, Saül est un peu ça, moufalme yakijila, banamujila. Vous savez kujila? Hein? Quelque chose qu'on te donne alors que tu ne mérites pas. On te donne avant le temps. Tu as tellement dérangé mon bébé. On te donne pas avec amour. Attends, bien aimé, ne recevez pas des cadeaux qu'on vous donne sans amour. Saül, le peuple a exigé, nous voulons un roi comme les autres. Dieu dit non, mais moi je suis déjà votre roi. Non, on n'a plus besoin de toi. On a choisi un roi avant le temps de Dieu. Dieu, dans son programme, avait un temps où il allait établir un roi sur Israël. Il devait d'abord éduquer le peuple sur la royauté. Il devait préparer le peuple à recevoir un roi. Mais le peuple a court-circuité Dieu. Le peuple a sauté avant Dieu. Non, on n'a pas le temps d'attendre. Nous voulons un roi comme les autres nations. Et Dieu dit à Saül, non, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qui le rejette. Donne-leur un roi. Au verset 7. Au verset 18, Dieu dit, votre roi là que vous avez choisi, il va faire du mal parce que vous n'êtes pas encore prêt à gérer un roi humain. Alors vous allez crier, vous pleurerez et moi je ne vous exaucerai pas. Et regardez la vie de Saül lorsque vous lisez l'histoire de Saül. Saül était un roi qui a commis beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Saül était un roi qui n'a pas donné à Israël sa grandeur comme la Bible le disait pour un roi. Saül s'est permis de tuer les sacrificateurs lorsqu'il cherchait à attraper David. Saül s'est permis d'offrir l'offrande qui n'était réservée qu'aux sacrificateurs. C'est un blasphème, c'est un sacrilège en Israël. Saül ne respectait pas les principes de son pouvoir parce qu'il n'avait pas été préparé. Bien-aimés, ce que vous recevez sans préparation, c'est très dangereux. J'aimerais dire à quelqu'un, tel que tu es là, tu n'as jamais touché 1000 dollars et on te donne 1 million de dollars, frère, tu dois avoir peur.
Tu viens de 100 dollars et le premier montant que tu touches, c'est 1 million de dollars. Frère, s'il y a moyen, mets ça même dans une banque pendant 6 mois, ne touche pas. Tu n'as pas de projet. Est-ce que tu as le projet d'un million? Non, je pose la question telle qu'on est. Qui a le projet d'un million de dollars ici? À part nous à l'église ici. Parce que même moi-même, en tant qu'individu, j'ai pas un projet d'un million de dollars maintenant là. Maman, on en a? Un million, tout y fait. Tu t'en sais quoi, Marianne, à quoi c'est madame de Nibinimi? Tu t'en sais, Nabi Oje. Hein? Il y a des montants lorsque ça vient la tête, hein? Trouble. Alors, que faire? Maintenant que nous n'avons pas de projet d'un million, c'est le moment de faire des projets avant que l'argent ne vienne. Pose la question, si j'achète ça, si je dois commencer une industrie, il faut ça, ça fait 400 000, 700 000, oh, ah, 800 000, ça les 200 000 d'en haut. Mais nous, nous attendons que l'argent vienne et nous commençons le projet avec l'argent. Non. La vision doit précéder la provision. Et la provision ne vient que pour accompagner une vision. Mais si vous avez la provision sans vision, frère, donnez ça à quelqu'un d'autre, frère. On est chungi, bon, malheureusement, en Afrique, moi, toi, chungi, aïe, aïe, aïe. Surtout s'il est de la famille, ta femme a réunion de famille, ma débat. Ça, c'est la table. Et puis, il y aura toujours un papa, un grand-père qui va se débrouiller. Ou tu as un franc. Est-ce qu'on a eu un amour à militaire sur porter le franc à Baba? Hein? Alléluia. Donc vous voyez que la préparation est très importante. Même la Bible dit, si quelqu'un veut bâtir une tour, qu'il s'arrête, qu'il calcule dans ses pensées. Est-ce qu'il sera à mesure de terminer? La Bible ajoute de peur que s'il commence sans terminer, les gens vont se moquer de lui, dit voici un homme insensé. Il y a des gens qui ont un peu d'argent, mais il va vous faire la fondation d'une maison de 28 pièces. Tu vas les terminer quand, frère? 28 pièces, la fondation, les briques s'arrêtent ici. Bon, puis il n'y a plus l'argent. Alors que si tu avais fait 10 pièces, tu allais même toller. Alléluia! Frère, ne construisez pas une maison en compétition par rapport à ton voisin. Dans sa grande maison. D'ailleurs, la plupart des grandes maisons, ces jours-ci, ça reste vide. Parce que les enfants partent, papa et maman fouillent même cette maison-là. Ils vont louer et mettre les locataires. Parce que nous, on a un petit amour, on a un boka. On a dit à Françoise, il y a un pichi, Françoise! Alléluia. Ne soyons pas dans la folie des grandeurs. Préparons-nous à gérer ce que nous allons gérer. Alléluia. La préparation est très importante dans la vie des hommes, frères et sœurs. Nous devons accepter la préparation. L'exemple de notre ami David, rapidement. Nous avons 1 Samuel 16, le verset 1. 1 Samuel 17, 34 à 37. Nous allons prendre maintenant l'exemple de Saül, de David. David qui a été préparé à la royauté. Et vous allez voir la différence. D'abord, pour commencer la royauté de David, Dieu dit l'homme selon mon cœur. Alléluia. Donc ça veut dire que David était dans le plan de Dieu avant même que Saül ne soit établi roi. C'est pourquoi j'ai dit au début, Dieu savait qu'à un moment donné, il allait donner à Israël un roi selon son cœur, pas selon le cœur du peuple. Parce que Dieu n'est pas quelqu'un qui se débrouille. Comme Saül a échoué, alors Dieu commence à préparer David. Non, 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 non. Non, notre Dieu, c'est un Dieu prévoyant. Notre Dieu prépare la solution avant les problèmes. Il a pourvu à la guérison avant que tu ne tombes malade. La guérison est déjà là avant que tu ne sois malade. Ce n'est pas un Dieu qui va se débrouiller. Oh non. Oh, je vois papa Giovanni maintenant malade. Dis, qu'est-ce qu'on va faire? Quelle maladie là? Dieu connaît tout. Il n'a même pas besoin de connaître ta maladie. Il dira, ah, c'est ça. Non, je l'avais déjà guéri dans les meurtrissures de mon fils. Lisons 1 Samuel chapitre 16, les versets 1 et 1 Samuel 17, 34 à 37.
Je vous avais dit, cet enseignement, c'est un enseignement de réflexion. Sur le travail, nous devons réfléchir. Parce qu'on en a besoin. Le Congo a besoin de bons travailleurs. Pas seulement de grands travailleurs, mais de bons travailleurs. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. Afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaï, le Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire comme un roi. Ici, ce n'est pas le peuple qui demande un roi à Dieu. C'est Dieu qui a vu un roi pour son peuple. Alléluia. Et nous allons au 34, le verset à chapitre 17, 34 à 37. Chapitre 17, 34 à 37, la Bible nous dit ceci. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui et je le frappais. Et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en serra du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Regardez l'histoire de David. David est devenu roi. David n'a pas seulement reçu la royauté parce qu'il était le choix de Dieu, mais David était un guerrier. Alléluia. Il donne son témoignage à Saül. Il dit, écoute, mon roi, moi que tu vois là, tu me méprises. Tu me vois, je suis un petit enfant. À l'époque, David avait 17 ans quand il parle de ce qu'a fait. Je ne suis qu'un petit enfant. C'est vrai, tu ne me connais pas. Les exploits, ma préparation s'est faite dans le lieu secret. Lorsque je me préparais, il n'y avait pas de témoin pour m'acclamer. Lorsque je me préparais, il n'y avait personne pour me chanter des cantiques de louange. Il dit, ton serviteur que tu vois a déjà tué un lion. Ton serviteur que tu vois a déjà tué un ours. Entre nous, frères, celui qui a tué un lion et qui a tué un ours, est-ce qu'il aura peur d'un homme? Voilà pourquoi David n'avait pas peur de Goliath. Il avait des expériences caché. Il était préparé. Il ne s'est pas débarqué seulement comme ça devant Goliath pour se battre. Il avait une expérience de préparation. Il était déjà préparé à défendre son peuple alors qu'il n'était pas encore roi. Alors qu'il n'était pas encore chef. Il était déjà préparé à défendre ses brebis. Il pouvait dire, je ne peux pas perdre ma richesse. Je dois garder mes brebis. David, ce n'est pas étonnant qu'il devienne un bon roi pour Israël. Et lorsque vous lisez la suite, vous verrez que David, c'est celui qu'on appelle le plus grand roi d'Israël. Il est celui qui a gagné toutes les frontières, selon Josué, les frontières que Dieu avait données à Israël, jusqu'au bord du fleuve Euphrate. Israël avait un grand empire à l'époque de David. Pourquoi? David était un travailleur. David, c'est quelqu'un qui travaillait. Il était préparé. Il n'a pas échoué. Il n'a pas esquivé le temps de sa préparation avant de devenir roi. Et vous verrez même ici, il a été connu par le roi, mais il se passera encore beaucoup d'années entre ici et pour qu'il devienne roi. Il va connaître les combats, la haine, la jalousie de Saül. Il va connaître les temps difficiles. Il va dormir dans les grottes alors qu'il a déjà été roi. Bien-aimé, si vous n'aimez pas souffrir, vous ne deviendrez jamais grand. Si vous aimez la facilité, vous aurez une vie faible. Jamais Dieu n'a béni les hommes qui aiment la facilité. Je vous l'ai dit,
En tant que votre pasteur, je dois vous dire la vérité. La facilité amène à la négligence et la négligence amène à la malédiction. Et la Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre avec négligence. Il y a des malédictions qui ne viennent pas des sorciers. Non, ça vient de la négligence. On est habitué à la facilité. Non, maman va me donner. Ça m'étonne des fois de voir un homme qui est marié, qui a des enfants. Et dès qu'il y a une petite crise à la maison, il envoie sa femme aller chercher la nourriture chez ses parents. Une ou deux fois, ça va, mais si tu es comme ça, frère, tu es un démissionnaire. Tu devrais avoir honte. Quelquefois, la facilité t'empêchera de voir les opportunités qui sont devant toi. Parce que tu sais déjà qu'il y a un pinet de réserve, maman. Maman, il y a même des maris, lorsque c'est chamaille avec sa femme, il appelle sa mère. Maman, Chantal en Chamboule. Ah, à ton âge, tu appelles encore maman. La facilité. Mais discipline là, c'est toi le chef, non? Comme tu m'as insulté à partir d'aujourd'hui. C'est toi le chef. Oh, est-ce que je parle de chef? Ah, maman. Ou bibi moulinio, ouais, d'abord, le quoi, ouais. Ah oui, il y a ma tête sur ta foutre dot. Donc, ou bibi moulinio, ouais. Mounio, ouais, mouingine. Je ne parle pas qu'on a divorcé facilement. Ah oui, il y a dot. Bale, bale, kesha, tu as dot, bana chunga kaba bibi abu. Ah, on ne pata mon fita, c'est ta moacha. Attends la fin qui bengo, on t'en a pas cap. Alléluia. Bien-aimés, n'aimons pas la facilité. Le problème de l'homme noir, c'est la facilité. Dieu nous a pourvu, nous avons la pluie, nous avons la forêt, nous avons les cours d'eau, nous avons des fleuves. Pour nous, tout est facile. Et malheureusement, nous mourons de faim alors que la facilité est à côté de nous. Vous savez, l'homme blanc, lorsque c'est l'hiver, le fleuve gèle. En hiver, les fleuves deviennent la glace. Pour chercher les poissons, ils doivent creuser cette glace-là. C'est pourquoi ils ont développé l'esprit d'effort. Ils doivent marcher des kilomètres pour trouver un fleuve, l'homme blanc. Mais nous, on a des fleuves ici. Parcourir seulement un mouton. Mais nous avons des poissons dans nos fleuves, mais nous importons les chinchards de la Namibie. Nous aimons la facilité. Quelqu'un d'autre a pêché pour nous. Quelqu'un d'autre a mis au frigo pour nous. Je suis pas. Et puis, je suis étonné de voir à la télé des grands politiciens qui disent, ah, tout en est à gouvernement, quand il est mon pion de ta fille Katène. On ne devait pas avoir honte. Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je suis d'accord avec moi-même. On ne devait pas avoir honte, frère. Nous avons de bons poissons. On nous dit à Kalemi, là-bas, il y a des poissons qui meurent de vieillesse. Les poissons grandiac, personne ne les pêche. Ils meurent. Pas de bateau de pêche au cou. Quelle honte. Pas de chambre froide dans tout le long du fleuve, de Kinshasa jusqu'à Kisangani. Quelle honte. Nous aimons la facilité. Quelqu'un d'autre a déjà pêché pour nous. C'est tout à coup, il y a un piodi. Et regardez comment nous aimons ce piodi-là. Déjà congelé, ça a perdu toute la vitamine. Qu'est-ce que nous mangeons? Nous mangeons du carton. Bon, je ne suis pas contre les importateurs de bio, hein? Excusez-moi. Ce n'est même pas bio. Nous avons, pour que quelqu'un fasse un poulailler, c'est un problème. On veut seulement manger le poulet de chair. Quelqu'un disait, ah, en tout cas, un chanteur avait chanté, mais nous les Congolais, hein? Les blancs ont mangé toutes les bonnes parties du dindon et nous envoient seulement une certaine partie. Vous connaissez, vous aviez écouté cette chanson-là. Et les gens appellent même ça. Eh non. Ah Seigneur, pardonne-nous. Eh, Congo, nous sommes allés trop bas. S'il vous plaît, frère, on doit se réveiller. Badou Nabifia. Barbe na fia, les tripes, non? Carton à ma tripe. Biandani, biabangombe. Mais tout en angombe, pas loin ici, à Congolo ici. Mais toi, papa, tout en amangombe, tout en fia, maboumou. Ce sont des choses intérieures.
En Israël, ces choses-là devaient être brûlées. Bon. On n'est pas en Israël, on n'est pas sous la loi. Moi-même, je mange ça aussi. Hein? Mais c'est pour nous dire que nous aimons la facilité et on se moque de nous. On nous donne les parties moins importantes. Et à quel prix? Parce qu'on ne veut pas. J'ai béni Dieu. J'ai vu chez Papa Byzance, il a un élevage de chèvres. Voilà. Combien ont même l'élevage de poules ici? On va acheter, c'est à Psaro. Tout le monde file chez Psaro. On va traverser en Zambie. Zambif, on aime la facilité. Biakutambukatu, on appelle. Mais est-ce que tu sais ce que tu achètes à l'étranger? Qu'est-ce que tu fais perdre comme devise à ton pays? Et demain, on dira que le gouvernement ne paye pas bien son peuple. Mais l'argent qu'on devait mettre dans le circuit intérieur, nous le mettons à l'extérieur. Je suis venu faire réfléchir à quelqu'un. Nous souffrons parce que nous aimons la facilité. J'ai écouté des frères dans cette église qui n'ont pas d'emploi. On leur propose un emploi et dit, « Ikaje na mon niveau yang. » Mais ils ne font rien. Bon, ça, c'est niveau yang qu'on ikaje kan. Frère, je vais vous lire un texte dans la Bible. Je crois que ce texte va révolutionner quelqu'un. Oh, aina mon niveau yang. Aina mon niveau yang comme 500 francs qu'on a mlomba maman, je crois mukanis. Or, si tu avais ce travail-là de $100, tu pouvais payer ton transport toi-même et commencer à aider ta pauvre maman, même avec un petit $20 par mois. Et on va te respecter, frère. La main qui donne est respectée. Mais la main qui reçoit, bana ibeulaka, oule, atalomba tout. Non, David n'a pas aimé la facilité. David a travaillé. Bien aimé, imaginons un peu, c'est facile de lire, hein? Un lion. Un lion. Parce que quand nous lisons, on a l'impression que ce sont des films. Ça, ce n'est pas le dessin animé de l'école du dimanche. C'est la réalité de quelqu'un. Un lion vient. D'ailleurs, normalement, pour un homme normal, dès qu'un lion vient, qu'est-ce que nous faisons? Sauvons-nous. On laisse les brebis, n'est-ce pas? Mais David ne fouillait pas les lions. Quel courage! Ah, il avait mérité d'être roi. Frère, il y a des gens qui méritent les richesses. Même dans cette église, j'ai vu certaines personnes, comment ils travaillent, certaines mamans. Quand je les vois réussir, je dis non, non, ils ont mérité. Mais d'autres sont là, à l'aise. Dès qu'il a gagné $20 en Aïkala, non. On m'a raconté la femme, l'histoire de la femme d'un douanier vers le Bas-Congo. Son mari était grand directeur de la douane. Son mari avait beaucoup d'argent, mais la femme vendait et fabriquait le lait caillé qu'on appelle yaourt. Et elle allait vendre ça. Je dis, ah, mais pourquoi? Elle dit, non, 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 dit papa, l'argent, il faut toujours ajouter. L'argent n'est pas un coussin sur lequel dormir. Oh, j'ai déjà $10,000. Vous savez, dans la Bible, il y a un homme qu'on a appelé insensé. La Bible dit, il a bâti ses greniers. Il a moissonné et il a rempli son trésor. Et il dit, mon âme, mange et bois parce que tu as beaucoup de provisions pour beaucoup d'années. Écoutez ce que la Bible dit. La même nuit, Dieu va lui dire, insensé, ne sais-tu pas que cette même nuit, ton âme te sera redemandée. Dès que tu dors sur les chiffres que tu as, ça commence à diminuer. $1,000,000, si tu n'ajoutes pas $1, demain ça sera combien? 900 et quelques mille, hein? Ça ne sera plus 1,000,000. Donc, bien aimé, le travail, ce n'est pas seulement pour avoir l'argent. Le travail, c'est pour continuer à rechercher l'abondance. Et David a résisté au lion. Quel courage! La Bible dit, il attaquait. Moi, quand je lis ça, je me pose quelle force David avait. Il attaquait le lion et il saisissait le lion par la gueule. La partie la plus difficile du lion. La force du lion est là dans ses dents. Mais lui prenait les dents. Il arrachait pour ouvrir la gueule d'un lion, frère. David était un travailleur. Je te donne cette image dans ta vie, dans ton commerce. Est-ce que tu travailles comme David devant les lions? Est-ce que tu te lèves très tôt matin pour commencer ton travail? Est-ce que tu te bats pour chercher des clients? Il y en a des qui ont marché 3-4 à...
Leo bantu abana komina rudia kumulango na funga. Le vrai vendeur reste là jusqu'à 19h. Il attend. On ne sait jamais. Parce qu'il aime son travail. Et c'est si je ne vends pas, mes enfants ne vont pas manger. Mais la facilité. La facilité. David a été préparé à la royauté. Voilà pourquoi David a réussi. Parce que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Bien-aimés, nous avons besoin de lutter contre cet esprit de facilité. Lisons 2 Thessaloniciens 3, les versets 6 à 16. 2 Thessaloniciens 3, les versets 6 à 16. L'apôtre Paul utilise un mot fort pour parler de ceux qui n'aiment pas travailler, ou ceux qui travaillent avec paresse, ou ceux qui travaillent mal. Un mot très fort. Des gens qui aiment la facilité. 2 Thessaloniciens 3, de 6 à 16. La deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 3, du verset 6 jusqu'au verset 7. Nous y sommes, de Thessaloniciens 3, 6 à 7. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. D'ailleurs, dans ma Bible ici, la Bible Esprit de vie, on introduit cela par un thème. On dit mise en garde contre l'oisiveté. Vous connaissez l'oisiveté, c'est quoi? C'est la paresse. C'est le fait de vouloir être dans des choses inutiles et futiles. Des choses qui ne sont pas importantes. Au lieu de s'attacher aux choses importantes. L'oisiveté, c'est quelqu'un qui se promène tous les jours. Il connaît tous les filles du quartier. Il connaît tous les nouveaux qui viennent au quartier. Parce que c'est une sentinelle de quartier. Lui ne travaille jamais. Parce que sa maman lui donnera les boucari. Certaines fois, maman, quelquefois, il faut refuser la nourriture à certains grands garçons dans vos maisons. Je vous l'ai dit. Non, frère, où t'as couru, allez, où est-ce que t'as foutu? Vous voulez rendre un mauvais service. Quand vous continuez à gâter un garçon jusqu'à des âges élevés, vous le détruisez. Il ne saura jamais prendre soin de son épouse et de ses enfants. Il ne saura jamais tuer le lion. Il doit apprendre à tuer son lion maintenant. Il doit apprendre à tuer son lion qui n'est pas encore devenu PDG. Et puis il y a des garçons de 40 ans, ils reviennent à la maison. Maman Boukari, mon ancienne, qui l'a. Ah, frère, pardon, frère. Ça, c'est vraiment la malédiction. À 40 ans, tu réclames les Boukari à la maison. Les Boukari que tu n'amènes même pas un sac de bunga. Non. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit pour de telles personnes. Nous vous recommandons, frère, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère. Écoutez, c'est fort. Éloignez-vous de ce genre de frère. Ce n'est pas moi, c'est l'apôtre Paul qui écrit frère. Je vous ai dit, c'est cette affaire. Nous souffrons, ce n'est pas la sorcellerie, c'est l'oisiveté, la paresse. On est paresseux. Les femmes aussi sont paresseuses. C'est grave. Éloignez-vous. De vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. Qu'est-ce que Paul appelle désordre? Ici, le désordre, ce n'est pas l'impudicité. Le désordre, ce n'est pas le vol. Le désordre, ce n'est pas le commérage ou la calomnie. Ici, vous verrez de quel désordre l'apôtre Paul parle. Lisons ensemble. Éloignez-vous d'un tel frère qui vit dans le désordre. C'est quoi le désordre? Selon la Bible. Et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment. Il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Paul reprend encore le mot désordre.
Nous n'avons mangé gratuitement les pains de personne. Je n'ai pas mangé gratuitement les pains de personne. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, c'est ça qu'il faut m'imiter. Mais dans le travail, soulignez le mot travail, mais dans le travail et dans la peine, travail dur, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Nous avons été nuit et jour à l'œuvre. Nuit et jour. Nuit et jour au travail, frère. Vous savez, depuis un temps, quand je vois certaines personnes qui sont valides, ils sont forts, quand ils me demandent l'aumône, je ne donne plus. Depuis un temps, je ne donne plus. Je préfère donner aux gens qui ont des insuffisances physiques, peut-être aux aveugles, aux gens, on voit des gens, sont des gens handicapés. Mais un jeune homme vraiment bien bâti là, il vient. Et puis on joue de longues histoires à expliquer. C'est faux. Bible à Zalara chaque semaine. Une fois j'ai trouvé même frère. Deux fois il est revenu. Mais la semaine passée, Chalisa l'a déjà. Il ne faut pas trop faciliter les gens à la paresse. Il y a de l'herbe ici, non? Alléluia. Mieux vaut donner du travail que de donner du pain. Un sage qu'on appelle Confucius a dit quoi? Si tu me donnes un poisson, je mangerai. Mais si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus faim. Entre manger et ne plus avoir faim, qu'est-ce qui est important? C'est ne plus avoir faim. C'est-à-dire, tu as déjà une provision au lieu de manger un jour et avoir faim demain. Le travail. Dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ça, c'est un apôtre qui parle. Il avait le droit de manger les fruits de ses fidèles, mais l'apôtre Paul a travaillé. Vous verrez quel travail il faisait. À charge à aucun de vous. Écoute, verset 9. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit. C'est-à-dire qu'il avait le droit. Mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à suivre, un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous nous disions expressément, en tout cas nous vous disions, voilà, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Que celui qui ne travaille pas, ne mange pas, ça vient de ce verset. Quand l'apôtre Paul était chez les Thessaloniciens, il leur a dit, celui qui ne travaille pas, c'est celui qui vit dans le désordre. Les paresseux, c'est un désordonné. Il est comme la sanction. Vous connaissez la sanction, hein? La sanction, à Lingala, on dit sonzo. Je ne sais pas, Swahili, on dit comment. Hein? C'est cette bestiole-là qui vient s'accrocher, il te suce le sang. Dès qu'il est rassasié, c'est alors qu'il tombe. Il y a des chrétiens sanctus. Il y a des hommes sanctus qui vivent toujours au crochet des autres. Il faut que ce soit tous les amis qui t'achètent l'alcool. Il faut que ce soit les amis qui t'amènent en boîte. Mais toi, quel jour tu vas aussi donner aux autres? Bien que l'exemple n'est pas bon, mais c'est ce que beaucoup de gens font. Et sache que celui qui te paye, c'est celui qui domine sur toi. Il va commencer un jour même à te donner des ordres sur ta femme. Vrai ou faux? Je ne veux plus taper sur ta femme. Hein? Pourquoi? Parce que je te paye. Et toi, moi, la Bible, tu as un peu de pika ou là, le sponsor. Ah! En tout cas, Aïna Richard, en tout cas. Aïe, Apan. Aouta, nous accattons. Alléluia. Que celui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, c'est ça le désordre, mais qui s'occupent de futilités.
Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Amen. L'apôtre Paul a été sévère en matière de la paresse. Lui, vous lirez dans Actes chapitre 18, de 1 à 3, vous verrez quel est le travail que l'apôtre Paul avait fait ici à Thessalonique. Il était faiseur de tentes. Il fabriquait des tentes. Il était comme un maçon aujourd'hui. Et le matin, il allait travailler pour gagner son pain. Et le soir, il allait prêcher l'évangile. Il ne faut pas dire non. Moi, je suis appelé au ministère. Enfin, même quand on est appelé au ministère, on doit travailler. Peut-être qu'on n'a pas le temps de travailler dans une entreprise parce que le besoin de l'église réclame. Mais on doit trouver des choses à faire. Même dans l'église, il faut réfléchir. Il faut préparer les messages. C'est un travail. Il faut visiter les fidèles. C'est un travail. Il faut jeûner, prier, c'est un travail. Et puis ce n'est pas interdit qu'un pasteur ait son activité à lui lucrative, ce n'est pas interdit. Moi j'ai beaucoup évolué dans les pays anglophones, vous voyez des pasteurs qui ont des fondations, des pasteurs qui ont des entreprises, où lui-même il est le chef. Le danger c'est quand il est soumis à un autre chef, son horaire peut être géré. Mais quand c'est lui qui est le chef, la Bible n'est pas contre. L'apôtre Paul, c'est pendant deux ans s'il vous plaît, il a fait les tentes. Donc ne soyez pas surpris si un jour vous verrez, vous voyez un train qui passe ici, Richard Wagna. Oh, pasteur, on était dans ma traque, je vous l'ai dit. Oh, mini qu'on a ici, ma belle wage. J'ai quitté un travail là où je dépendais des gens, mais cela ne m'interdit pas de réfléchir sur comment améliorer l'abondance de ma famille. Je peux soutenir mon épouse dans les affaires. C'est un travail. Alléluia. Bien-aimés, nous devons travailler. L'apôtre Paul, un apôtre, mais il a fait les tentes. Hein? La notion du temps plein n'a jamais interdit quelqu'un d'avoir sa petite pharmacie. Ou si je veux, je vais imiter Papa David. J'ouvre ma petite ferme à Bambouge. On est délai, hein? Alléluia. Non, peuple de Dieu, et soyez, je veux seulement vous donner un esprit de travail. Mon but, c'est que si vous voulez devenir grand, ne soyez jamais satisfait de ce que vous avez aujourd'hui. La vie est appelée toujours à rechercher plus. Car la vie se développe. Au début, vous étiez à deux. Après, vous avez eu un enfant. Le budget de trois personnes est différent. Maintenant, vous avez sept enfants. Vous devez trouver comment nourrir les sept, hein? Ce n'est pas la faute de Dieu qui vous a donné sept enfants, non. C'est votre faute. Vous ne vous étiez pas préparé à monter de un enfant à sept. La préparation. Dès que vous mettez au monde, papa, cherchez le voisin moyen d'arriver du bébé. Mais vous, c'est quand le bébé vient que vous demandez l'aide à gauche et à droite. Non. La Bible dit que telles personnes sont des frères, mais qui vivent dans les désordres. Il faut s'en éloigner. Je crois qu'après ce message, on n'aura plus de frères qui vont rester oisifs, qui attendent seulement les bureaux. Parce que si les gens vont travailler au bureau, bureau, cravate, veste, frère, tout le monde n'est pas appelé à travailler au bureau. Je vais vous donner mon témoignage. Je me suis retrouvé au Nigeria dans les années 99. J'arrive là-bas, j'ai eu des problèmes d'argent. La personne qui m'avait invité s'est résistée. Je commençais à être, j'ai été recueilli par un frère de l'église là-bas. Et les frères, comme il dit, je suis pasteur, il me nourrissait. Moi, j'étais mal à l'aise. Vous savez ce que j'ai fait? Le matin, je sortais, je transportais les cartons d'un véhicule vers un shop, moi. Il m'a dit, non, you are a pastor, you know. Au Nigeria, on respecte les pasteurs. Hein? Au Nigeria, on respecte les pasteurs. Non, tu es pasteur. Je dis, non, frère, pasteur, mais la poche est vide. Combien de fois je vais te demander les unités? Je l'ai dit clairement. Non, laisse-moi travailler. Et je l'ai fait. Je l'ai fait, frère.
Il m'est arrivé à Lubumbashi à l'époque où nous étions fiancés avec elle. Je vous donne ce témoignage pour vous dire qu'il n'y a pas de saut métier. Fiancé, blocage. Les affaires ne marchaient pas. Je suis allé devenir jardinier dans la maison d'une maman de l'église. Oui, j'étais son pasteur le dimanche, le mercredi, mais le lundi j'ai coupé. Elle était mal à l'aise, pasteur. J'ai dit non maman, moi je n'aime pas manger ce qui n'est pas le fruit de... Et vous savez comment Dieu fait des choses. C'est pendant que je faisais ce travail-là, entre guillemets, humiliant, que j'ai rencontré le juif qui est devenu mon patron. J'ai travaillé avec lui pendant plus de 15 ans. C'est comme ça que moi j'ai eu l'emploi. Donc, comment un tel jeune homme peut faire un tel travail? Donc tu es un travailleur. Et quand il m'a fait l'interview, oh mais il parle anglais, mais il connaît, il a vécu aussi dans les pays anglophones. J'ai été son manager pendant plus de 15 ans. Le même patron, je viens de démissionner au mois de novembre. D'ailleurs, il a même refusé ma démission. C'est un juif, il habite en Israël. Non, toi vraiment, tu es honnête. J'ai dit non, le temps pour moi de servir Dieu est arrivé. Mais j'ai fait les jardiniers. Moi, mon père me disait une chose. Quand on avait 10, 11, 12 ans, en première secondaire, je me rappelle, on commençait un peu à voir les filles. Tu vois, à cet âge-là, on commence un peu à se faire, à repasser. On vient de quitter les culottes pour entrer dans les pantalons au secondaire. Vous vous rappelez, non? Alors, on voulait aussi que les filles nous voient, que nous aussi, on est. Alors, quand les filles du quartier passaient, nous, papa avait fait nos rêves. Il y a des jours où moi, je lavais les assiettes. Il y a les jours où je bouillissais l'eau. Il y a des jours où j'ai torchonné. Papa nous a appris ça. Maman était là, on avait des travailleurs. Mais il y a des jours où c'était Richard. On avait affiché. Alors, c'est le jour où moi, tu es... Et puis nous, on avait à l'époque, on lavait les assiettes, c'était dehors. Il n'y avait pas les choses à Bazung, à l'air où vous avez les vies à l'intérieur. Quand je lave là, maintenant, les filles passaient, ils se moquaient de moi. Ça, c'est mes milieux. Et puis mon père me disait, Richard, tu vois ces filles-là qui se moquent de toi. Quand tu as l'argent, elles vont te suivre. Alléluia. Et c'est vrai. C'est vrai. Elle est là. Alléluia. Elle a suivi quelqu'un qui faisait le jardinage. Et par la grâce de Dieu, c'est le jardinier qui a été le premier à lui faire monter un avion. Donc, ne méprisez pas les frères. Surtout vous les sœurs. Vous, vous voulez marier seulement celui qui a déjà tout. Regardez l'homme avec les yeux spirituels. Ne regardez pas l'homme avec les yeux. Le frère qui est en quête aujourd'hui, demain, il va t'habiller. Alléluia. Quand un frère travaille, bien-aimé, il y a de l'espoir. Mais quand quelqu'un est paresseux, même s'il vient d'une famille riche, il y a des espoirs. Parce que la paresse finira par tuer même la richesse qu'il a reçue. Donc l'apôtre Paul combat la paresse. L'apôtre Paul nous montre les dangers de la paresse dans la vie des hommes. Et il appelle ça un désordre. Alors si tu vis dans le désordre, frère, répands-toi ce matin. Arrête de perdre ton temps dans les discussions, les choses futiles, comme l'apôtre Paul a dit. Entre dans les choses. Va, mets-toi à l'arrêt. Il y a toujours un travail à faire, je vous assure. Devant les boutiques, il y a toujours un travail à faire. Tu peux gagner ton pain. Je connais l'histoire de celui qui est, pendant un temps, il fut chef du personnel au niveau de Malta Forest. Vous savez comment cet homme a eu ce travail? Il était cantonnier au niveau de l'Omata. À l'époque, Master Forest construisait cette route à l'époque. On a recruté les cantonniers. Lui, il était là. Mais la manière dont il travaillait, vous savez, quand un intellectuel travaille, même les travaux bas, ça se remarque. Quand une sentinelle est intellectuelle, ça se remarque. Ouais, papa sentinelle, lui, il en a eu un membre. Hein? N'est-ce pas que ça se remarque? Quand vous êtes intellectuel, même si vous êtes celui qui ouvre la barrière, on vous remarquera. Parce que Dieu ne laissera pas que le sacrifice que vous avez payé reste dans un petit travail. Un jour, l'élévation viendra.
Et cet homme avait une manière d'arranger les herbes là-bas qui a étonné les blancs. Il observait de loin comment il travaillait. Un jour, il a appelé. Toi, tu as étudié, oui. Toi, quel domaine? Ingénieur. Il a fini en polytechnique ici. Ingénieur en polytechnique, dit, je n'ai pas de travail. Je n'ai pas d'argent. Le même jour-là, on l'a amené chez Forest. Il a été engagé et il a été pendant longtemps chef du personnel. Bien-aimé, ton travail va t'élever. Si tu travailles fort, un jour, on va te remarquer. Un jour, on dira, voici l'homme qu'il fallait. Je vous donne quelques textes qui nous parlent du travail. La Bible dit, si tu vois un homme diligent dans son œuvre, il a sa place à côté du roi. Le roi cherche des grands travailleurs. Les sponsors cherchent des gens qui savent travailler. Alors, deuxième chose, nous terminons par là, la paresse. Je donne quelques passages de la Bible qui parlent de la paresse. Et vous verrez que la Bible est trop dure contre les paresseux. J'ai trouvé ça dans le livre des Proverbes. Alléluia. Lisons d'abord Proverbe 12, le verset 27. Je donnerai des proverbes comme ça. Ça vous aidera à aller méditer à la maison pour voir que Dieu n'est pas pour la paresse. Les paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Ça dit, les paresseux à la viande, mais ils ne préparent pas. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu vas manger la viande non préparée? Non. Les paresseux mourra de faim. C'est ce que ça veut dire. Mais on dit le précieux trésor de l'homme, ce n'est même pas l'argent. Le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. L'activité. Cage, c'est un trésor. Le travail n'est pas une malédiction, frère. Ne pense pas qu'on te fait souffrir, ma soeur, lorsqu'on t'envoie torchonner la maison. On te prépare à être une bonne épouse pour ton mari. Ne pense pas quand maman te coince pour aller faire ceci, faire cela. Maman, seulement moi, c'est les dessins animés que j'ai. Ma fille, les dessins animés passeront. Mais dans le mariage, tu ne vas pas vivre comme un dessin animé. Tu n'es pas Pocahontas. Vous connaissez Pocahontas, cette femme-là de dessin animé. Non, tu n'es pas Cendrillon. Tu es toi. Tu es Believe. Alléluia. Que Dieu soit loué. Donc, il faut travailler. Proverbe 13, 14. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Waouh. Si tu es paresseux, tu n'auras que des désirs. Nami, mi na penda ni kueko. Nami ne penda ni voyager. Nami ne penda ni jenge. Mais ça sera des désirs non satisfaits. Et vous savez, lorsqu'un désir n'est pas satisfait, tu deviendras jaloux contre ceux qui ont satisfait leur désir. La jalousie naît de l'échec. Même dans une même famille, il y a des frères, même père, même mère qui peuvent se jalouser parce qu'ils n'ont pas travaillé et l'autre a travaillé. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Proverbe 15, 19. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est aplani. Vous savez, le proverbe est trop dur. On n'a peut-être pas le temps d'expliquer ces phrases. Quand on dit le chemin du paresseux, c'est comme une route pleine d'épines. Qui peut marcher sur une route pleine d'épines? Ça veut dire qu'il ne va pas avancer. Ça veut dire tout simplement un paresseux ne progresse pas. Parce que ce sont des épines. Et puis attachima matou. Mais on dit le sentier de celui qui travaille est à plat. À planer. Le travail va te faciliter la vie. Alléluia. Sois un travailleur. Proverbe 19, 24. J'en choisis, il y en a beaucoup. J'en ai pris beaucoup. Je vous donne pour que cela vous aide à aller méditer. Dieu est contre la paresse. Dieu est contre l'oisiveté. Proverbe 19, 24. Le paresseux plonge sa main dans les plats et il ne l'amène pas à la bouche. Ça, c'est ce qui m'a fait très mal. On lui a servi même la nourriture. Il met la main, Bukari Anawek, en attente par Mboka, mais il ne sait pas mettre dans la bouche. Ça, c'est trop grave. Moi, quand j'écoutais, je dis, ah, Dieu, tu es trop compliqué.
C'est ça les Parisiens. Ils ne savent même pas manger la nourriture qu'on lui a offert. On veut, tu veux même qu'on te fasse manger. Ça, c'est une insulte à l'humanité. Quand quelqu'un arrive à ce niveau, Dieu dit, les paresseux plongent la main dans les plats, mais il ne sait pas les ramener à sa bouche. Pour montrer que les paresseux, c'est un homme vraiment désordonné. Un homme qu'il ne faut pas encourager, frère. Vous avez un paresseux, un petit frère paresseux. Frère, dites-lui, parlez-lui, coincez-le. Ne le laissez pas à l'aise. Maman, vous avez un fils paresseux, une fille paresseuse. Pique à ta fille. Je vous dis la vérité, il va un jour oublier de manger. Si un homme peut oublier de manger, bien sûr. Proverbe 24. À cause du froid, les paresseux ne labourent pas. Et à la moisson, ils voudraient récolter, mais il n'y a rien. Lui, il a des raisons. Vous verrez que les paresseux ont toujours des raisons. Les paresseux ont toujours des raisons et des excuses. Je ne fais pas la répétition parce que... Non, si vous avez trop d'excuses, ce n'est pas bon. Dans la vie, quelquefois, avalez vos excuses, allez au-delà de vos forces. Des fois, je sais que le travail demande un sacrifice, je le sais. Mais c'est ça l'homme. Dieu doit, l'homme doit se mesurer devant l'obstacle. L'homme doit aller de l'avant. Et le Congo ira mieux si chacun d'entre nous fait plus que ce qu'il fait maintenant. Ne laissons pas seulement au gouvernement. Non, nous avons notre part. Qu'est-ce que je peux choisir encore? Il y en a beaucoup. Proverbe 22, 13. Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Le paresseux joue des équipes. Il a des raisons pour ne pas travailler. Et le paresseux, c'est comme ces gens, dès qu'ils voient la pluie un dimanche, Chitaenda Mukanisa. Anavula Mangou Alival, Anavula la télévision. Mais vous, vous êtes découragés, malgré la pluie, vous êtes venus. Vous pouvez acclamer pour vous-même. Parce que les paresseux voient l'intempérie. Les lions peuvent signifier les obstacles de la vie. Les paresseux se disent, ah, moi je ne suis pas Katangais, je n'aurai pas du travail au Katanga. Ça, c'est un paresseux, les excuses. Est-ce qu'il n'y a pas de non-Katangais qui ne sont pas bénis ici? Arrêtez toujours de dire, non, Kindouk, il y a Kindouk, tu es paresseux, lève-toi, va travailler. Si on ne te donne pas l'emploi, crée l'emploi. Alléluia. Crée l'emploi, va travailler comme jardinier. C'est un emploi que tu as créé. Proverbe 24, le verset 30. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vie d'un homme dépourvu de sens. Pas de solution, pas de récolte. Alléluia. Je vais lire les deux derniers et nous allons terminer par là. Proverbe 26, le verset 16. Les paresseux se croient plus sages que cet homme qui répond avec bon sens. Les paresseux se croient toujours être déjà arrivés. Oh, non, ma cage, mon affaire, non. Je ne suis pas le tout à croire, ma ministre. Moutakwara ma ministre quand? Bengine Batakoujik, tu as déjà 52 ans. Hein? Ça, c'est les paresseux. Ils rêvent. Ils rêvent. Ma soeur, je vais vous donner aux soeurs qui aspirent au mariage. L'un des tests pour connaître un homme qui est responsable. Regardez comment il réagit en matière de travail. Ne soyez pas aveuglé par la beauté du frère. Oh, il est géant, il est gros, il est grand. Ma soeur, à où t'as couru, il est mouillé. Si tous les jours il est chez vous, tous les jours il vient te rendre visite pendant les fiançailles, c'est qu'il ne fait rien d'autre. À 10h, il passe par là, je voulais te dire bonjour. À 14h, il vient par là, ma soeur, comment tu vas? À 17h, je rentrais à la maison. À 20h, ma soeur, j'avais oublié mon téléphone. Ah. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Ma soeur, dis-lui déjà, frère, toi et moi, c'est fini aujourd'hui. Il n'a pas le temps d'aller chercher. Bien-aimé, la paresse a détruit beaucoup de gens. Et le dernier texte que nous allons lire, Matthieu 25, 26, que nous avons lu la fois passée, n'est-ce pas? Son maître lui dit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Dieu condamne
les paresseux. Dieu appelle des frères et sœurs qui n'aiment pas travailler comme des paresseux et des paresseuses, et ils sont sous la malédiction de la pauvreté. Qu'à partir de ce matin, bien-aimé, quelqu'un prend les décisions de travailler. Que quelqu'un s'élève pour dire « je dois travailler ». Travaillons, frère. Le bonheur dépend du travail. Rappelez-vous, j'ai introduit par Proverbe 14, 23 qui dit « tout travail procure l'abondance ». Tout le monde veut devenir grand. Tout le monde veut acheter une voiture. Tout le monde veut construire la maison. C'est très bien, mais le chemin s'appelle travail. Travailler avec sagesse, c'est travailler aussi durement. C'est travailler avec précision, avec persévérance. Travailler avec sagesse, c'est bannir l'impréparation. Prépare-toi, toi qui es encore jeune homme, prépare-toi, apprends, étudie, pose des questions. Si papa n'a pas l'argent de t'envoyer à l'université, va dans un garage, apprends un métier. Va chez les menuisiers, apprends un métier. Accompagne un plombier. Sois aide-maçon. Les aides-maçons d'aujourd'hui deviendront les grands maçons de demain. On peut toujours apprendre. Il n'y a pas que le chemin de l'école. On peut toujours apprendre. Même les ministères s'apprend. Vous êtes au pied d'un pasteur, apprenez. Ne contredisez pas toujours, apprenez. Nous, on a appris aussi des aînés. Apprends. La préparation, lorsqu'elle va rencontrer l'opportunité, le succès sera un héritage pour vous. Inclinons notre tête dans la prière. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Père pour ta parole, merci pour ta grâce. Bien-aimés, nous allons prier. Chacun va prier selon le message qu'il a reçu. Le Seigneur nous appelle à travailler, à être des travailleurs. Si tu travailles déjà, bien-aimé, tu allais commencer à devenir négligent à cause de tes amis. Non, reste, reste dans ta décision de travailler. Quel que soit le domaine de ta vie, travaille, travaille encore. Apprends. Même les médecins continuent à faire des recyclages après. On n'a pas fini de se préparer. Même un militaire, il doit continuer à faire des entraînements. Il doit continuer à faire des exercices physiques. Il doit apprendre de nouvelles armes qui viennent d'être fabriquées. Bien aimé, nous devons évoluer. Je l'ai dit, le succès n'est pas une génération spontanée. Ce n'est pas la chance qui donne la richesse, mais c'est le travail. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta parole. Nous prions, bien aimé. Chacun prie comme il a écouté ce message. Et si quelque part ce message t'a touché, toi-même tu pries et tu prends la décision de changer. Toi-même tu prends la décision de te repentir. Car la Bible dit, tel homme a travaillé avec sagesse, avec science et avec succès. Le succès, bien-aimé, ce n'est pas d'abord le fruit de la prière. L'abondance, ce n'est pas le fruit de jeûne. C'est d'abord le fruit du travail. Voilà pourquoi il y a des païens qui travaillent dur et qui réussissent. Alors qu'il y a des chrétiens qui prient beaucoup et qui sont pauvres. Parce qu'ils ont brisé la loi du travail. L'apôtre Paul dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Alléluia, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes là devant toi. Implorant ta grâce et ta miséricorde, Seigneur. Aide-nous à être des travailleurs, à travailler loin de l'oisiveté, loin de la négligence, loin de la distraction, à travailler avec objectif. Au nom de Jésus, nous voulons être une église de gens qui travaillent, nous voulons des choristes qui travaillent dans les répétitions, qui arrangent leur voix, des instrumentistes qui améliorent leur talent. Nous voulons des intercesseurs réguliers dans leur programme qui travaillent dans la prière. À la maison comme à l'église. Nous voulons des protocoles qui améliorent leur travail d'accueil. Seigneur, nous voulons, oh Dieu, des pasteurs, des prédicateurs
qui améliorent, Seigneur, qui travaillent leur prédication, qui travaillent leur vie de prière, qui travaillent, Seigneur, leur manière de diriger. Seigneur, fais-nous grâce. Il n'y a pas un domaine où on ne doit pas travailler. Nous voulons travailler, Seigneur. Aide-nous à travailler. Aide-nous à travailler, Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous avons nos yeux fermés. Je vais faire deux appels. Le premier appel, je demande à ceux qui veulent travailler mais qui ne trouvent pas le travail. Lève-toi, nous voulons prier pour toi. Moi, je crois qu'après cette prière, tu vas trouver un travail à faire. Toi qui cherches le travail, tu refuses d'être paresseux. Tu refuses de dépendre des autres. Tu me dis, je veux trouver un travail. Lève-toi. Ne dis pas, il n'y a pas d'entreprise au Congo, frère. Les autres qui travaillent, ils travaillent toujours au Congo. Ne dis pas, il y a un lion dehors. Non, le lion de la peur, il faut vaincre cela. Alléluia. Si tu veux que Dieu te donne un travail, tu cherches le travail sérieusement. Le travail, tu seras peut-être engagé quelque part, mais le travail, peut-être Dieu te donnera une idée pour commencer une entreprise. Le travail, ce n'est pas seulement écrire « j'ai l'honneur », non. Tu peux aussi engager les gens. Il faut avoir une vision élargie. Façon, je vais aller travailler chez Tenke. Non, tout le monde ne travaillera pas Tenke Funguru, mais tout le monde ne travaillera pas à la douane. Mais tu peux créer un travail. Lève tes mains, nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu m'as dit de prier pour ceux qui cherchent le travail. Et tu as promis, Seigneur, de donner du travail parce que le frère a refusé d'être oisif. Mes sœurs ont refusé d'être oisives, Seigneur. Laisse que la grâce du travail leur soit accordée au nom de Jésus. Selon ta promesse, ô Dieu, accompagne-le. Partout où ils iront chercher le travail, précède-le, Seigneur, et donne-leur les qualifications nécessaires pour réussir et avoir l'abondance, car il est écrit, tout travail procure l'abondance au nom de Jésus. Recevez le travail dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Vous pouvez vous rasseoir. Je vais faire un deuxième appel. Tu es là, tu travailles, mais tu ne gagnes pas. C'est le deuxième appel que le Seigneur m'a demandé de faire. Tu travailles, mais tu ne gagnes pas. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu n'arrives pas à payer les minervales des enfants. Tu n'arrives même pas à payer la maison d'autrui. Tu es brisé, tu es blessé, tu es même humilié en tant qu'homme. Vous savez, lorsqu'un homme ne sait plus prendre soin de sa famille, il se sent diminué. Ou maman, tu ne sais plus nourrir ta famille. Ton travail ne paye plus comme il faut. Ton commerce ne paye plus comme il faut. Dieu m'a demandé de prier aussi pour cette catégorie. Lève-toi aussi. La Bible doit s'accomplir. La Bible dit tout travail procure l'abondance. Nous ne sommes qu'en train d'appliquer la parole de Dieu. Si ton travail ne te plaît pas, si ton travail ne donne pas ce que tu as besoin, si ton travail n'amène pas l'abondance, je vais prier pour toi. Lève-toi, on va prier, Seigneur. Lève tes mains. Alléluia, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu de gloire, il est écrit, tu n'amuseras pas le bœuf lorsqu'il foule le grain. Il est aussi écrit que l'ouvrier mérite son salaire. Il est écrit, Seigneur, que tout travail procure l'abondance. Seigneur, mes bien-aimés qui se sont levés travaillent pourtant, mais ils n'arrivent pas à jouir de leur travail. Ils ne trouvent pas leur compte dans leur travail. Oh, laisse que ta grâce, laisse que ta grâce, laisse que ta grâce leur soit accordée ce matin, et qu'ils puissent voir l'abondance selon ta promesse, ô Dieu. Car quiconque obéit à ta parole verra la bénédiction liée à cette parole. Seigneur, je bénis le salaire de mes bien-aimés. Je bénis les affaires. Je bénis le capital. Je bénis le profit. Au
nom de Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, ils commencent à jouir de leur travail. Seigneur, que l'abondance les accompagne selon ta parole. Tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux. Merci, Seigneur. Nous allons nous rasseoir. La parole éternelle Kasumbalesa vous présente l'émission Heure du choix. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine sur la terre. Donc Dieu a soumis les lois terrestres sous l'autorité de l'homme. Pasteur Richard Wagna. La prière en dehors de la parole, c'est une incantation. Quand vous priez sans connaître la volonté de Dieu, vous êtes en train de faire une incantation comme les sorciers. Dis à mon peuple, je suis celui qui calme les tempêtes. Je ne connais pas quelles sont les tempêtes de ta vie. Peut-être tu as des tempêtes financières, tu as des tempêtes en famille, tu as des choses contraires qui viennent contredire les promesses de Dieu. Les tempêtes sont là pour empêcher la barque d'avancer, mais avec Jésus, tu avanceras. Pour cette émission, contactez le 081 01 58 074 ou le 099 87 40 322. Que Dieu vous bénisse.